On est le collectif CRCR. On a eu la chance de travailler sur un trailer pour Ubisoft. Ça fait quelques années avec Wiz qu'on fait des trailers de jeux vidéo. Quand ils nous ont présenté ce projet, ce jeu, avec Ubisoft, il y a une compréhension mutuelle qui se retrouve assez vite sur le design, sur le dessin, sur des choses comme ça, quoi. On s'imprègne de leur univers, on essaye après de leur transcrire dans ce que nous, on aime faire aussi. Les premiers jours du projet, on n'est que nous, avec nos papiers et nos stylos, et là, on va commencer un pré-découpage de storyboard. La référence est quand même assez évidente dans le côté animation japonaise, l'animé de Naruto. Ce qu'on s'est tout de suite dit, c'était qu'on allait faire notre Dragon Ball avec des rochers qui volent et tout ça. Il y a effectivement le côté mythologique. Il y a déjà beaucoup de références, donc après, il s'agit de façon de retranscrire dans notre style le personnage, le design, les cyclopes géants, des chimères, des dieux de l'Olympe, etc. Tout de suite, il y a quelque chose de visuel qui prend. On aime tous Gladiator et le choc des titans. C'est des histoires qui nous ont bercés, c'est quelque chose qui est toujours hyper graphique. D'un coup, l'action, elle est entre guillemets facile à trouver. Du coup, on a un personnage petit, humain, qui va devoir s'attaquer à des minotaures qui font quatre fois sa taille. Donc ça fait qu'on se projette tout de suite dans des images qui vont être cool à faire, du héros seul contre tous. C'est Brad Pitt dans 3 ou Xena. Ce qui était aussi cool, c'est que c'est un jeu vidéo. Après, il fallait juste trouver le fil rouge, une espèce de course en avant, pleine d'action, sans perdre ce côté bataille de boss. On a une formation d'animateur et de réalisateur de films d'animation. Et en fait, nous, on a eu l'habitude de réaliser et de tout faire. Et après, bah, maintenant, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'entourer d'équipes hyper talentueuses, des super animateurs et des super décorateurs. C'est un mix un peu des idées des membres du groupe qui sont là. Et il y a une vraie patte qui est née maintenant de nous tous, qui correspond vraiment à l'identité du CRCR. Avec Ubisoft, depuis le début du projet, il y a eu une vraie volonté commune de faire un gros film et quelque chose d'impactant et dynamique. On vient réinterpréter de toute façon l'univers du jeu, quoi.